Togo Info, le Togo à votre portée. Je ne dirais pas que c'est un décès, je dirais que c'est un départ. Parce qu'un artiste ne meurt pas, il s'en va. On doit se poser la question, pourquoi si tôt? Parce qu'il a lancé son album il n'y a même pas encore 3 mois. Et il n'a même pas eu le temps de jouir de cet album. La question qu'on doit tous se poser aujourd'hui dans ce cimetière, c'est pourquoi il est parti. Mais je pense que tous les Togolais sont coupables. Nous avons tué Omar Bi. Voilà, c'est ce que moi j'ai à dire. Expliquez-nous un petit peu, tuer comment? Chacun va faire son analyse, j'ai lancé le verre, chacun n'a qu'à tirer. Nous sommes tous coupables, parce qu'il ne devait pas partir. C'est un assassinat. Qu'est-ce qui s'est passé? Kevin, dis-nous. Omar Bi disait qu'on l'a délaissé, que le monde musical l'a délaissé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous voulez faire allusion? Prends ça. Je dis, prenez tout. J'ai lancé le verre. Nous sommes tous coupables de la disparition de Omar Bi. C'est une disparition prématurée. Voilà. C'est un artiste qui est parti dans la fleur des larges. Et vous aurez pu bien le remarquer dans sa conférence, il a dit ça. 7 ans, être privé de certaines choses et de tout ce qu'il faisait, il aimait. Comment est-ce que vous voulez que quelqu'un puisse vivre lorsqu'il est privé de ce qu'il aime le plus faire au monde? Voilà, c'est pourquoi je parle de « nous avons tué Omar Bi, nous sommes tous coupables ». Dites-nous, en tant que responsable d'un chez Obi, quel conseil vous pouvez donner à un promoteur? Le conseil que je peux donner, c'est commencer à célébrer vos artistes quand ils sont vivants. Aimez-les quand ils sont vivants. Et arrêtez de faire la promotion de la musique qui vient d'ailleurs, de la musique étrangère. Vous aimez tout ce qui vient d'ailleurs. Aimez vos artistes, ils vont vivre longtemps. Merci.